Bonjour à tous, c'est Tiffy, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur donc deuxième game du BO, pourvu qu'on la gagne, comme ça on passera bronze 1. Donc on se retrouve avec un petit J-Stop et on remercie l'ami Talon. Je dis I go mid with Jace. Lui il nous fait ta gueule. Hein, je prends le pire c'est que je lock Jace mid et lui, genre il est largement vu que j'avais Jace mid, il lock Talon mid. Donc ce petit con va mid, moi je suis gentil, je vais top et je me tape forcément un Aatrox. Youpi. Ça va être super. Donc Jay, ce perso que j'ai acheté il y a une semaine, un truc comme ça. Donc je le gère, enfin je gère. Je l'ai joué, j'aime bien, plutôt, enfin j'aime plutôt bien. Donc on va se retrouver contre un Aatrox top, au mid être Harry contre Talon, soit maître et support. Il n'y a rien qui est ralenti, enfin. Enfin bref, voilà, contre une Sona, on aura un Echo Jungle. Ah, lui aussi m'a fait peur. Bon, il commence à prendre Echo. Il prend TP. Je sais, ah bah non. J'ai déjà que j'ai top, hein. Bref. Il a voulu être jungle. Sauf que regardez ce qu'il a pris comme summoner. Il a pris TP Smite. Au lieu de Smite Flash ou Flash Smite. C'est-à-dire que il aura que le seul dash. Son seul dash, son E, je crois. Ouais, son E. Sa seule escape, c'est-à-dire s'il n'y a plus de mana, il est dans la merde. S'il a plus de. S'il a, il est en cooldown, il est dans la merde aussi. Et en ADC, on aura une Jinx contre un Ezreal Pulsefire. Ce qui est inutile. Donc voilà. Donc j'espère qu'on va la win celle-là, comme ça on passera bronze 1. Si on la lose, bah. Il nous restera encore une game où on pourra essayer de passer bronze 1. Donc voilà. Oh putain, Aatrox, quoi. Et chier. Bon, on est parti, donc on prend le Q-Spell en first. Donc voilà. Allez, allez. Voilà. Ouais, donc Aatrox stop. Oh putain, Lone. Oh non, 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 Talon. Non, Talon, t'as pas le droit. C'est chier. Déjà que je le laisse gentiment son mid. Parce que j'aurais pu faire le gros connard et aller mid aussi. Mais voilà. Bon, je vais juste montrer. Oh, on va pas déranger. Voilà. Oh, mais non, Talon. 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 Toi, tout le monde a. Ouais. 30 secondes avant l'apparition de sbire. Ouais. Donc sinon, bah voilà, donc ça fait longtemps que. Enfin longtemps. Je vais s'en parler. Ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas eu de vidéo normale. Bah, les cours ont repris déjà. Ça c'est moins drôle. Alors. Je sais pas, il y a eu, quand je suis arrivé sur le ciel, il y a eu un bug, donc en fait il n'y a plus ma tête à cet endroit là. Donc bah c'est pour ça que j'ai réglé. Donc super, on a une AFK, Talon mid. OMG quoi. On va danser. Bon bah allez c'est parti. Contre un truc. Ça prend un petit avantage, c'est que nous on va être à distance et lui au corps à corps. Donc on pourra le pop. Il faut pas oublier que Aatrox a son passif. C'est chelou. Il stack pas son passif. De ferme contre 3, on est qui? On peut qu'il y a le pop. Oh, on essaie de le tuer hein, s'il a pas son passif. C'est chelou. Ah, bah voilà. D'accord. Oh, on aurait dû essayer de lui faire claquer son passif. Level 1, mais là, bah, franchement, il se régénérait, donc c'était pas la peine.
Oula, calme-toi. C'est pas très voir ce qu'il a fait là. Oh merde. Oh purée. La boulette l'a touché. On lui faisait claquer son passif. Après, il s'en fout un peu presque parce que. Lui il sait qu'il est encore passif. What the f... Son passif a claqué. Oh d'accord, Echo qui s'est exécuté. Oh la vache! Il s'est vénère d'un seul coup là. Lola. Ah mais merci hein. Ah mais attends, il a pris si cher que ça pour les sbires? Quand même, bah il... Ouais. Il est pas mal fait. Par contre, le mec là, t'as plus de passif. Voilà, tu sors ta gueule. Merci. Et je te claque un Lola. Hein. Donc, autrement, on continue à farm. 16 de farm pour 12. Alors soit il l'a fait exprès, soit bah je sais pas, il a du bug ou je sais pas quoi. Soit je sais pas quoi. Enfin, se faire exécuter par les sbires, d'accord. Mais là, enfin il avait qu'à partir, il venait de me tuer et tout, donc je vois pas comment il a fait. Essayez juste de le poke avec le Z et s'il commence à trade, comme ça on aura assez de mana pour faire E.A. Par la grosse boulette. Mais on va la garder aussi pour farm, ça serait cool. Récupérer un mana. Ah la vache, c'est super hardcore. Et vas-y, vas-y, continue contre les sbires. Putain, fin de cet HP. Ça m'arrête un petit. Vas-y, vas-y. Non, il manque. Dat luck. Putain, c'est fou la chance qu'il a eu. Ouais, je suis un peu deck de cette deck là, mais il a bien joué. Il a juste appuyé sur EA et puis auto. Le plus c'est que je venais juste de le récupérer et je l'aurais tué franchement. J'aurais été le génie, tu vois. Bon, ouais. Alors. Mon bot. Ça a l'air d'aller, moi je suis en 2. Ouh, ça picote hein. Par contre, on en parle quand même que il est resté 20 HP, il a quasi tout régène quoi. Là, tu vas mourir. Ouais, mais non, je croyais que j'étais pas sur le marteau. Oh putain, le bol que j'ai eu par contre. Sinon, 36 de farm à 32. Oui. Voilà, on le tient au farm, il le tient. Enfin, ça. On va stacker un peu la lame de la déesse. On va push, hein, parce qu'on a envie de gagner cette game. Hein. Là, j'ai pas envie de la lose. Pas fera.
pas trop attendre le late game. Bon, après on a Talon pour one shot, de moi ça va. Non. What, il a déjà sa boule ici. Oh, attendez. Attendez, t'es le génie. Non, il a un génie. Non, non, parce que s'il me jump ou je suis mort. On va éviter. On a le TP, donc on fera. On garde plus. Ça, il est pas trop suicide. Attends, wow, la vie qui la rajeune. J'ai pas vu avant. Juste en pack que j'ai vu. Non, en même temps, là. En plus, je rajeune comme un porc. Il a sabre vicié, apparemment, parce qu'il nous l'a claqué. Lag, les yeux tournés vers l'horizon. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un V1 quoi, il n'y a pas de jungler qui me banque. Ça c'est bon. Un peu fail. Oh mon dieu, les dégâts qu'il a fait. Puis surtout ce qu'il a régène. C'est énorme. Oh, tu dois avoir TP. Non, back. Ah ouais, par contre là les dégâts, enfin les dégâts, oui les dégâts, mais surtout la régène était énorme. Ouais, putain vache, enfin ça, voilà, hein, on va pas trop. Alors, je fais ça pas pour m'amuser, hein, pour stacker, et on est à 144. Je vais d'abord me faire bah c'est bon là, après je... là je vais partir sur ma mouf ou je sais plus. Ah, putain, par contre il speed que je mets. Et franchement au niveau des creeps il a pas l'air trop malin quoi. Deux débuts on meurt. Mais il meurt à cause des sbires. Tout à l'heure, on meurt et son passif, enfin, il reste au contact des sbires et donc son passif se claque. Il a pas l'air super intelligent, mais bon. 8-10. Non. Petite boulette. Oh, qu'est-ce que c'est? Comment ça, mon ami? Quoi, je pense que j'ai l'honneur quand même, parce que c'est ça. Pour l'instant, c'est un bon petit combat. Oh non, c'est assez passif. Vous avez sûrement essayé de prendre un prix. On a plus trop de mana, donc ça va être un désavantage. Et il joue bien, il esquive bien nos boulettes. S'il fait pas de boulettes, je le ferme ma gueule, d'accord. Là, celle-là, tu vas pas esquiver, hein, petit con. Là, c'est bon. On fait claquer son passif. Là, on fait le passif. On fait claquer aussi le passif de notre passif, en fait. je sais pas, passif de ulti, passif de je sais trop quoi. Par contre, on a plus de mana du tout. Donc là, il a sûrement essayé de... Ah, et on a plus de tourelle en plus. Ça, c'est chaud. Je suis toujours prêt.
KSS. Ah, je pense pas qu'il a cette vie non plus. Parce qu'il s'appelle quand même Talon et qu'il a, il a des... d'humains. Bon, sinon, la game de BO 4-2, lui il est en 2-4, 5-3 Larry, 6-3 le Talon, pas mal. 2-2, 0-3, 0-2, 1-1, 3-3. Ça va, le maître ennemi est pas fini. On va éviter de s'approcher des bûches. Bon, ok. Après, nous on est full life et pas lui. D'accord. Oh merde. Oh là. C'était pas trop du tout prévisible. Hein. Il fait mal. Putain. Il régène, il fait mal. Et il a la vitesse. Ça c'est hyper casse-cou. Après je crois qu'il a claqué son outil. Je suis pas sûr. On va voir. 4-3, il est en 3-4 lui. C'est vrai que ça m'a. Non, c'est bien. En même temps, il y a de quoi. Alors, par contre, on va essayer de l'empêcher de speed push comme un roulant parce que là, sinon, ça va pas le faire. Oh putain le passif. Putain ça touche c'est pas moi. Enfin lui il touche c'est pas moi. Oh, mais il sait que j'ai plus de boulettes donc il... Bon, c'est... C'est bien. Non. Non vilain. Bon, on va rester dans les sbires comme ça. Comme plus prévisible. La mission reste bien. Mais merde 4-4. J'ai pas envie de perdre, je risque de rager pas mal. Vas-y, Echo. Oui, Echo. On croit en toi, Echo. Oh non, non, merci. Il est mort. Il aurait un flash, peut-être qu'il aurait pu survivre. Mais non, le flash trop inutile. On va prendre ça parce que là on prend bien cher. Chargement de la puissance. Je ne crains rien. Non, je parle sous. Non, sous. Notre futur sera rapide. C'est ça. Un
L'ennemi a été tué. Mais là, si on perd, enfin si on perd notre lane, déjà c'est de la faute à Talon. Et après, je veux pas dire que c'est la faute à Talon, parce que on aura un autre tour. Non mais merde quoi. Là, vous avez bien vu, vous êtes témoin que j'ai appuyé sur le R et c'est pas changé quoi. Mais crotte, fais chier. Non, pas ça. D'avoir un loup. Oh mais non, mais là c'est. Ah, je... il serait transformé, je l'aurais défoncé, mais là. Les bugs de merde! C'est casse-couille ça! Putain, c'est chiant ça! Les yeux tournés. Il y a encore tiens le bug, boy! Tiens, regarde, tiens. Là, ça marche, tu vois, si on bourrine comme ça, ça marche. Enfin, c'est pas la touche qu'on utilise le plus, hein, sur Jace ou sur n'importe quel perso, vous êtes pas en train de bourriner votre frère. Qu'est-ce que ça. Maintenant, il chope des kills. Il est en 5-5, 4-5, il est en 6-5. On va push, on va essayer de détruire au moins une tourelle. Normalement il vient tout à la droite. On va stacker en haut. Votre tourelle a été détruite. J'ouvre la voie. Ah oui. Non, casse-toi, putain. Oh, mais... oh mais sérieux. Là. Oh, non. Putain, j'ai fait mon flash en bourre. En même temps, elle s'appelle Shyvana, elle est en outil, on peut rien faire. Au final, on n'a pas réussi à péter la tourelle. Je m'en fous, je t'ai plus sur les sbires, même si c'est pas super parce qu'on a plus de cooldown. Voilà, faut que j'arrive à me concentrer. Là. On aura plus de sbires. Ah, mais il part vénère le mec. Hein. L'âme lourde déchue pour ce heal et ce vitesse d'attaque. Et sa vitesse d'attaque. Et en plus de ça, soit 200. Comme ça, bouclier. Il manquerait plus qu'il part range gardien et puis voilà, on aura tout à l'heure. Voilà, GG. Nathan, il a l'air d'être pas mal. C'est moi, je lui fais zéro dégâts. Faut l'empêcher de se... J'ai dit faut l'empêcher de se régénérer. Ça touche pas. Chiant. Non, 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 non. Invincible. Okay.
Ok. T'en reviens. Salope. Oh! Les choses que. Harry qui survit à 10 HP, ça sonne bien. Vers l'horizon. J'y arrive. Il est un grand nouveau. Oh putain. Si quelqu'un. Enfin. On peut me voler la place. Que si on fait des. Enfin, bon score, voilà. On gère. Là, 15-5. Non, tu peux la merde. La gueule, 5-6. Donc cette fois-ci, on va essayer de péter cette putain de tourelle qu'on a essayé depuis tout à l'heure. Non ! What the ? Oh merde ! Et en plus, il commence à tanker. De toute façon, t'es mort. Ouais, t'as l'air pour rien. Que même si t'arrives à le ken par je ne sais quelle raison. Fais chier, mais non, on va perdre juste parce qu'il va avoir un Aatrox, il va tous nous one-shot en late game, et puis voilà. Putain, fais chier. Bon, ce qui est bien, c'est que lui, one-shot. Oh, fais chier, je vous montre Jace, où je suis bien en normal game et tout. Forcément, de 1, on me vole mon poste, de 2, je tombe contre un Aatrox. Et donc, bah là, ça fait une game de merde. Alors qu'en normal game, j'ai fait qu'une seule game de merde où... J'ai fait de la merde quoi. Oh putain, oh putain. Et là par contre, si on a enfin même. Là dans ces situations là où vous avez un overfeed, n'essayez pas genre juste donner des autos pour donner le kill. Brunez tout au sort, on s'en fout de qui prend le kill. Parce que déjà en plus il est assez feed. Mais enfin, surtout qu'il faut le buter, vous voyez. Là à cause de ça, bah, les deux sont morts. Elle peut mieux, hein, ça compte pas. Non, casse-toi. Bon, je vais te jeter dessus, je me. Meurs, pensez rien. Non, mais là, on va perdre. Enfin, oh, je sais pas si on va perdre ou gagner, ça me saoule. Oh, puis en plus, c'est pas en regardant les scores que ça nous aidait. 30-30, c'est serré. Mais ça, c'est, j'aime pas ces games-là. Enfin, j'aime pas et j'aime bien. Parce que j'aime bien parce que c'est pas trop facile. C'est pas trop, on sait pas trop défoncer non plus. Même si moi un peu quand même. Mais vas-y, 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 vas-y. Oh, bien joué. Oh non. Ah, tu butes. Oh, bien joué. Allez, bien, bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Et puis, bah. Après, j'aime pas parce que c'est le stress jusqu'au bout. Là, pour l'instant, au niveau des tourelles, on avait buté 2, ils en ont buté 3. Bon, on est égalité. C'est les sbires qui ont plus mieux réussi à péter les tourelles que moi. Super. Oh putain, mais il tank. C'est horrible. Mais il a juste pris une ceinture de géant. Ce qui me rassure quand même, c'est que. Enfin, ce qui est bien avec Jace, c'est que même si vous êtes mal dans votre game, vous aurez quand même des dégâts. Bon, Dieu. La R, elle peut en tuer quelques-uns. On va faire un peu. Ou fuir.
sérieux, regardez. Voilà, ça c'est bien. Tant pis si elle a pris le kill. J'ai même pas eu l'assist. Oh oh. Oh, il a cancel. On l'attendait en plus, moi, gros laser, boulette, il y avait Talon et Echo qui a pris Mana. On l'attendait tous, quoi. C'est bon, on se regroupe, on push et puis on prend des petits kills, on pop et puis au final on gagne. J'espère. Alors en fait, une petite technique pour genre foutre des boulettes en discrétion, c'est qu'en fait vous envoyez la boulette et juste après vous envoyez on va se faire défoncer, je suis mort. D'accord, bientôt. D'où ça touche-moi? Oula. Je l'envoie. Oh merde. Oh d'accord. Ouais. Donc c'est bon, on a stacké notre Muramana. Muramana. Maintenant, on va prendre une source de sang, je pense. On va prendre ça et ça de sang, on a pas assez, on prend ça. Et après, soit on prend un ange gardien, soit on prend un dernier souffle, ça dépend. Ange gardien, c'est censé être one shot, et dernier souffle, c'est si on recommence à prendre des kills. Pour l'instant, on est pas mal, enfin on est pas mal. On a pas mal de morts, 9 morts, c'est énorme. Mais après, on a pas trop de kills, mais ça va encore, c'est assez équilibré, il y a que 2 d'écart. Il y a 2 kills de moins que de morts. Bon. Un moment de remonter. Ça, le maître, il est pas parti sur la décritique. Il faudra pas trop attendre le late game non plus. Parce que si on attend trop le late game, c'est même pas la peine. On va se faire défoncer la gueule. Puis... Chaque fois j'ai flippé là que ce soit une nature. On est top farmer. On est top farmer, bah c'est très bien ça. En même temps on a un peu de farm, une bonne partie de l'année. On envoie ça. Ok, on se casse. Mais what, il part sur de la foule tankée à ce moment. J'ai l'impression. Après tu me diras, il y a pas mal de dégâts de base donc. On va citer le Ken. Ça c'est le BG. Merde, j'avais même pas le. Ok, donc teamfight qui s'est plutôt mal passé là. En même temps, on n'était pas trop présent. Et ce qui est bien avec Jay, c'est qu'on a pas mal de dégâts. On a déjà la grosse boulette. On a. Après, en marteau, bah, en fait, on a Q-spell le Z. Donc, en marteau et en arbalète, on a. Par contre, si on lâche, c'est pas bon. What? Qu'est-ce qu'il a fait pour me tuer? Il a pas claqué un ulti quand même pour m'avoir comme ça.
Attends, il avait juste à E ou à A, puis c'est fini. Non, il a quelqu'un de pied. Là, je pense que si on serait resté discretos, on aurait peut-être pu le style. Si on aurait été un génie. Un génie, mais génie énorme, quoi. Donc c'est même pas la peine, parce qu'en plus, A3, c'était juste devant. Là, il fait le triple easy. Regardez le dégât. Tiens, ça fait zéro dégâts. Mais en plus, passe son mitraillette. Je comprends pas, par contre, les gens qui, avec Jinx, passent, sont tout le temps en bazooka. En 1v1, où il y a pas mal d'amas de sbires. Ou genre, si vous voulez, poke des mecs regroupés, d'accord, parce que ça fait des dégâts. Mais vaut mieux en 1v1 prendre la mitraillette, puisque comme ça, vaut mieux prendre la mitraillette, parce que son passif vous permet de d'auto-attaquer plus rapidement, et que ça sert à rien de faire des dégâts en AOE s'il n'y a qu'une seule personne que vous visez. C'est bon, ça fait juste 2 dégâts à la... Je pense que la seule personne qu'on pourra tuer, ce sera Harry et Ezreal. Et encore Ezreal, je sais pas trop, vous voyez, hein. Je sens qu'il va faire quelques dégâts. En tout cas, Harry, c'est sûr, on prend la Ken. C'est tout. Là, ouais, je pense que je vais prendre un ange gardien, parce que là, c'est même pas la peine d'espérer faire plus de dégâts. Oh, quoi que. Ah, je sais pas si je prends ange gardien ou d'Arthur. Parce que comme ça, on pourra faire plus de dégâts au Aatrox et. Ouais, je sais pas. Non, je pense qu'on va prendre ange gardien. On va prendre dernier souffle et on verra. Si vous en changera en ange gardien. S'il y a besoin, je change en ange gardien, mais on va prendre dernier souffle. Oh mais non, c'est bien de merde. Et vous voyez, je l'ai même pas touché en fait, coup de marteau là, enfin du golf. Non, c'est lui qui a flash. Donc, tant mieux, il a gaspillé un flash. Tiens. Ok, on recule parce que là, il y a. Je sais pas si vous avez vu, il y avait Shyvana qui se ramenait. Et Shyvana. Alors j'ai assez pour la fausse spectrale, mais j'attends 1150. Donc je vais faire plus que 1150. C'est bon. Voilà, on va essayer de le quai. Oh non! Non, 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 non. Tu reviens tout de suite. Compliqué-toi. On va prendre dernier souffle parce que on a des dégâts quand même. Faut juste qu'on arrive à pas trop foncer dans le tas ou se faire one shot en team fight. Et on aura moins de faire quelque chose. Ouais, je t'aime bien ça. Oh putain, flash ulti.
Il a les bonnes mécaniques. Hein. Il a pensé quand même, parce que tout le monde ne pensera pas à faire ça, à dash sur les sbires pour se rapprocher. Merde. Ma TP c'est fort. Bon, ça n'a pas été très worth au final de la chase jusqu'au bout de la map. Là. Et l'autre qui fait que des gros coups en coup, je sais pas. Ça pas même ça n'a pas du tout été worth de la chase. Là. Parce qu'on a perdu une tour et un nid. Donc en gros c'est pas. Totalement one shot. Par contre ça arrive à rien. Ouais non mais lui on ne shotera pas. Oh, quoique. Au final si. Par contre je sais pas si vous avez remarqué, je pense très peu à activer ma Muramana. Je pense très peu. Donc vu que je vais m'entraîner de plus en plus avec Jace, je vais sûrement penser de plus en plus. On verra bien, espérer que là c'est une grosse perte de dégâts quand ça c'est. Alors, oui. Okay. En tout cas, il faudra pas perdre un nid de plus, en tout cas, ça c'est sûr. Il faut qu'on reste comme ça. On perd pas un nid de plus, ça c'est sûr. Et on reste avec qui ? On est en 10-10, on est en score égal. Et tant mieux ça. Calme-toi. Je veux juste dégommer la gueule et gagner. Je veux juste gagner. C'est ce truc que je... Si vous voulez, je vous donne 10 euros. Non, pas quand même. Parce que ça reste un BO, ouais, surtout un jeu. Mais... Ah, je veux gagner. Ouais, je pense que quand même... Un petit dernier sou, ça nous fera du bien. Parce que là, les dégâts, ils sont en manque. Enfin, c'est pas qu'ils sont en manque. C'est qu'en fait, ils ont pris le système tank. Et donc on fait beaucoup moins de dégâts. Ah vous voyez, il y a peu de dégâts que je suis à mettre lui. Il est habitable, tout ça. J'ouvre la voie. J'aime pas entendre ça. Parce que là déjà Shyvana et Aatrox, déjà qu'on avait du mal à les tuer. Aatrox un peu moins, parce qu'au final il tente pas tant que ça. Mais par contre Shyvana est la mort. Ça va, heureusement on a des dégâts. Ok, le non. Non, ça peut y arriver. On va juste penser que c'est. Aou! Ah, putain, c'est fou. Alors, fais-le venir. Doublé. Dis, le quadra. Ah mon quadra, je suis deg. On les a enchaînés quand même. Oh merde, non. C'est qui spawn Talon dans 20 secondes. On va sûrement perdre une tour, je pense. Oh mais si on perd en tout cas, on la report de la Jinx. Ça comme item. IE et saut de sang. Et bot. Oh et on perd deux inhibes. Oh puis on va perdre. Ouais, attends, il va finir. Il se dans 3 secondes, mais attends, ils vont finir là. Ah non, moi je dis non. Non, tu montes ça tout ça. Oui. Ah non, putain, Jinx de merde.
Putain! Merde. Putain, ça me pète les couilles, ça! Merde! Et j'ai presque envie de report le talent parce que c'est sa faute qu'on est allé top et qu'on est tombé forcément contre un Aatrox. Oh, j'espère qu'elle aura ses putains de 20 minutes pendant au moins ou pour l'éternité. Merde quoi! C'est chier! Oh, c'est casse-couille ça! Enfin bref, on a encore une chance, une dernière chance. Si on se fait, alors je vous dis pas que. Si en plus, imaginez qu'on a un feeder et un rip et un troller et tout et n'importe quoi qui te fait bien chier, qui te pourrit la game, qui te fait lose la game. Enfin, en tout cas, cette game, la prochaine game là de BO, il faut absolument qu'on la win. Comme ça, on passe bronze 1. Si on passe pas bronze 1, je. Ah, je pète un câble. Hein. Parce que là. Oh putain, on pouvait gagner et tout. Puis là, sur ce dernier teamfight où j'ai frôlé le quadruplé, un peu plus, et l'autre là, je le butais. Je l'aurais buté, j'aurais back. Et j'aurais défendu. Enfin, on n'aurait pas perdu si j'aurais réussi à le buter. Il manquait vraiment, bah. Rien. En plus, cette fois-ci, en plus, j'avais pensé à activer mon Amu. Donc j'étais. Là, je manquais la Yumu que j'ai pas trop activé. J'ai pas activé vraiment à la fin. Là, bah, c'était bon. Hein. Oh putain, ah je suis deg. Donc en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo malheureusement vous aura plu. Malheureusement. Enfin qu'elle vous aura plu quand même, même si on a lose. J'espère que vous serez là pour regarder ma dernière game du BO. Voir si on passe ou si on win ou si on lose, si on passe bronze 1 ou si on reste bronze 2, si on s'approche de plus en plus du silver 5 ou si on reste toujours en bronze. Donc voilà, donc j'espère que cette game vous aura plu. N'hésitez pas à vous